Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 5 décembre. Suite au rapport de la presse d'une réduction du service militaire à 2 ans, la présidence du Conseil a souhaité réagir. Celle-ci a précisé qu'aucune décision n'a intervenu et que la question n'a pas encore été portée devant le Conseil des ministres. Le journal L'Œuvre estime à 150 000 le nombre de militaires occupés en France à des services divers. Les chefs de délégation des 5 grandes puissances, assistés au maréchal Foch, commandant chef des armées alliées et associées, sont réunis hier matin en séance secrète. Ils avisent aux mesures de coercition militaire propres pour contraindre l'Allemagne à respecter les clauses de l'armistice et celles du traité de paix. Jusqu'à présent, les alliés n'ont eu recours qu'à des injonctions et à des menaces diplomatiques, qui sont tous restées sans effet. Les Allemands opposent une résistance de plus en plus arrogante aux réclamations de l'entente. Pourtant, il est dit dans les milieux diplomatiques que l'Autriche fera banqueroute vers le mois de mars et l'Allemagne peu après. Le chef d'une grande industrie allemande confirme ses conduites en déclarant « Le traité que vous nous avez imposé est très dur, mais il contient des lacunes, des erreurs et des imprécisions. Notre devoir d'Allemand est de profiter de ces lacunes, erreurs et imprécisions. » Avec une telle attitude, il est du devoir des alliés d'aider à imposer un ultimatum. Espérer une solution pacifique en cédant sur certains points serait s'adonner au mirage le plus dangereux. Si nous voulons avoir la paix, il faut dénoncer le manque de moyens d'exécution du traité de Versailles. En cette période de crise économique, le journal L'Écho de France a donné un coup de sonde dans différents milieux. Il rapporte qu'entre 1913 et 1919, l'or est passé de 3400 francs à 6800 francs, l'argent de 90 à 425 francs et le platine de 6000 à 30 000 francs. Dans les milieux des théâtres et des dancing, le prix des places a augmenté de 50% en moyenne. Dans les mondes de piété, on nous a déclaré que le nombre des engagements de 1919 était inférieur à celui de 1913. Face à ces observations, une haute personnalité du monde financier nous a suggéré que la cause de la vie chère était due à la trop grande circulation des billets de banque, qui engendrerait une baisse du taux de change. Il dénonce le déficit de notre balance commerciale qui se levait en fin septembre 1919 à près de 16 milliards. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.